Bonjour, vous Guidia, chef au restaurant Petrosian depuis avril 2005. Voilà. Alors là, nous allons goûter en fait pour deux personnes une brandade de crevettes. 250 g de pommes de terre, une dizaine de crevettes décortiquées. Nous avons pris des herbes, là c'est de la laine entre autres, mais on peut faire un mélange d'herbes. Nous avons 50 g de beurre, des gousses d'ail, du lait pour faire notre purée, de l'huile d'olive et les assaisonnements, sel, poivre classique. Donc là, pour commencer, nous allons faire une purée. Donc on va couper la pomme de terre en petites brunoises. La pomme de terre a été épluchée juste ce matin pour ne pas perdre trop d'amidon, justement. Vous assaisonnez au moment de la cuisson? J'assaisonne au moment de la cuisson. De toute façon, que les pommes de terre, en fait, prennent vraiment le... On va passer à la passoire. Voilà. Je le fais juste chauffer un tout petit peu avec un peu d'ail dedans, légèrement émincé. Pomme de terre, je vais mettre pomme de terre. Pomme de terre. Je vais mettre un tout petit peu de lait en poussant l'ail en même temps. Je n'ai pas mixé avant justement pour éviter que la purée elle devienne élastique. Donc tant qu'il n'y a pas le liquide, je ne peux pas en fait faire tourner ma purée, ma pomme de terre. On va les émincer. Donc en fait, elles cuisent dans la purée. Dans la purée, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est liquide de façon vraiment à les assécher dedans. Donc le truc pour voir si les crevettes sont cuites, c'est tout simplement quand elles sont rosées. Exactement.